voyez les conditions sont quand même bonnes. Hein, le terrain s'est bien amélioré. Je pense que tout le monde met maximum d'atouts pour notre équipe, pour se retrouver dans les meilleures conditions pour jouer. La réponse, je l'attends aujourd'hui. Je sais que vous êtes capable de le faire. Maintenant, mettez votre talent au service de l'équipe et surtout, soyez très efficace dans les zones. Défensivement, naturellement, pour toujours rester sans prendre de but et offensivement, tenter un maximum de choses. Il va y avoir du monde. On arrive sur la fin de saison. Je pense que le public bordelais mérite qu'on leur donne un petit peu de bonheur. Allez, gros match! Par rapport à l'équipe d'en face, c'est vrai qu'une défaite est pratiquement normale, vu le potentiel, c'est une équipe qui sort sur la Coupe d'Europe au niveau du rythme, tout ça. Bon, nous, des regrets sur la première mi-temps, où bon, forcément on aurait préféré revenir en vestiaire avec un match nul, je pense que c'était au minimum. Deuxième mi-temps, bon, on prend trop rapidement ce deuxième but, après on lâche, on prend un but idiot sur le troisième, on tente après quelque chose pour revenir au score. On est revenu à 3-1, il aurait fallu continuer dans cet état d'esprit-là, mais on n'a pas été assez conquérant. C'est ce que j'expliquais, quel moment on fit, qu'il faut qu'on progresse au niveau mental. Les filles, ben, je ne vais pas leur taper dessus, parce que bon, c'est dur pour elles, c'est très très dur en ce moment. Bon, aujourd'hui, ben, on est passé à côté, ben, on va se remettre à l'endroit, je vais les laisser 2 jours. Qu'on se remette tout en question, moi le premier, et que mardi, ben, on essaye de bien finir la saison, c'est-à-dire en préparant le mieux possible nos matchs, et surtout ben, qu'on finisse ce championnat dignement.